Bonjour. L'Office de tourisme de Gassin vous fait découvrir aujourd'hui le nouveau village. Alors, c'est une extension au vieux village qui a été créée. L'idée est venue de Robert Daud, le maire de l'époque, qui voyait son village se dépeupler et qui a décidé de faire appel à Françoise Poëri, le fameux architecte de Port-Grimaud, pour rendre son village de nouveau attractif à la population locale. Donc, dans les années 80, Françoise Poëri se penche sur le dossier et il souhaitait donc établir une extension qui ne dénature pas du tout l'ancien village. C'est pour ça qu'il a décidé d'établir la création de cette nouvelle extension sur le plateau, donc en dessous du vieux village. Et il y avait une liaison qui a permis, avec des constructions, de réunir les deux entités pour n'en faire qu'une seule. La première pierre a été posée en 1989 et il a fallu quand même jusque les années 2000 pour voir l'achèvement des travaux. Vous avez maintenant donc dans cet ensemble des immeubles, des petites maisons, en tout 124 logements pour la population locale ont été construits. Vous avez maintenant cette petite place, la place Hannibal de Châteauneuf, qui fait référence à un co-seigneur de Gassin, qui a été donc aménagé d'une manière paysagère méditerranéenne, avec plusieurs essences, comme les cyprès, les oliviers, plumbago, bignone, glycine, pittoscorum, etc. À son centre, donc, une fontaine qui permet donc en été aux villageois de se rassembler pour une petite soirée conviviale. Alors, cette extension a si bien été perçue, accueillie, qu'elle a obtenu le prix Philippe Retier, qui est un prix d'architecture pour la reconstruction de la ville, et la Marianne d'Or en 1995. À bientôt pour de nouvelles découvertes à Gassin.